Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie de Twilight Struggle dans le cadre d'ITSL. Ce soir, je vais affronter Simon. Depuis les derniers matchs, il y a eu une petite nouveauté. Un joueur contre qui je devais jouer. Samy, où est-ce qu'il est Samy? Ici, Samy Tournardre. A pas donné signe de vie, donc du coup j'ai pas pu jouer contre lui. Donc... Et il a été sorti du classement, du coup il y a eu un petit reschedule. Voilà, on va regarder en fin de tableau. À la place, j'affronterai Wayne Bennett. Mais pour ce qui est de ce soir, le match doit être quelque part par ici. Voilà, on affronte Simon. Simon qui est plutôt en bas de classement, mais faut toujours se méfier de ce genre de match. Les joueurs sont déjà pas mauvais, le niveau est très très bon dans cette saison, et puis on peut soit avoir de la malchance, soit soit mal joué, soit plein de choses quoi. Je serai américain, il sera russe, et on est parti. Plus avec un classement à 2613, c'est clairement un très bon joueur. Et en plus, très sympathique, les échanges de mails avec lui se sont très bien passés, donc c'est très très cool. Une belle main. On a la Destal, on a les gouvernements socialistes. Donc je pense que je vais partir sur un 3-3-2-2. On s'approche de la fin de saison, hein. Il reste plus que 4 matchs. J'espère que j'arriverai à gagner ma division. J'aurais pu mettre Eastern European Unrest peut-être pour contrer l'accès à l'Italie. Intervention des Nations Unies, pas trop jouable du coup. Pour deux raisons, par rapport au blocus et par rapport au fait que j'aimerais garder des stalinisations en main. Un bon départ pour lui. On va pas se plaindre quand même, on a des ops, on a la guerre indo-pakistanaise que je vais malheureusement pas pouvoir garder en main. Alors, il tente quand même un coup en Italie avec une belle réussite. Alors. Bien, on va s'étendre. Bien, on va s'étendre. Si j'avais une carte 4, je serais sûrement allé aussi en Colombie. Allez, est-ce que j'ai le Moyen-Orient? C'est la question. Il y a quand même beaucoup de points en jeu. Je pense qu'il va aller en Irak. Ok. Est-ce qu'on garde la distal en main ou pas? Je pense que je vais risquer mes points en Afrique, sachant que j'ai la garde pakistanaise.
Je vais venir en Colombie pour voir comment il réagit. Ah, le point au Liban nous a bien sauvés. Ok, un point en Italie. Problème, c'est que j'ai pas trop de cibles pour faire un coup d'état. Est-ce que j'irai pas dans l'espace? Est-ce que ça, c'est vraiment un tour à vide, cette carte? Pas mal joué hein, la protection de l'Italie. Ça montre qu'il a une main assez faible aussi. Intéressant. Peut-être faire un coup d'état en Corée du Nord, parce que si ça passe, ça lui enlève toute présence. Il serait obligé de réagir. Et sachant que la destale est moins importante, vu que je me suis un peu avancé en Amérique. Ah, le voilà le coup en. Gros jet. Gros jet de dés. Bon, j'ai gagné la carte Chine, et ça, c'est bien. Lui, il a gagné un accès en Thaïlande. C'est très très fort. Ouais. Ça, c'est pas très grave. Voilà, avec ta doctrine Truman, on est bien. Qu'est-ce qu'on met en headline? Peut-être le Japon, ça nous met une domination directe. Je vois pas trop ce que j'ai d'autre à mettre en headline. Par exemple, ça.